bien, bonjour à tous et à toutes. Enfin, on dit plutôt à toutes et à tous, c'est plus galant, hein. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'était les Cable Best, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un replay Shodown Combat NU. Alors, je tiens à faire un petit point sur la dernière vidéo Shodown qu'il y a eu, c'était une vidéo live, entre guillemets, puisque je faisais des combats en direct, là, ça sera pas le cas aujourd'hui. Parce que, simplement, j'ai pas trop le temps, en fait, pour être avec vous, donc je préfère faire un replay. Vous inquiétez pas, des vidéos live, entre guillemets, où il y aura des combats faits en direct, ça se refera, hein, je sais que vous aimez bien. Donc ça se fera. Et simplement là je vous présente un replay NU, hein, donc avec une équipe en construction en fait, hein, l'équipe que j'ai elle, en construction, puisqu'elle est, elle tourne autour de Junko qui est en ce moment en suspect. Enfin au moment où la vidéo sortira, le suspect sera peut-être fini. Donc peut-être qu'il sera ban, hein, qui sait, allez savoir. Peut-être que Junko sera RU, hein, lorsque la vidéo sortira, je ne sais pas. Articodin qui peut défoguer, et les câbles en Revenge Killer avec le mouchoir choix, et les câbles mouchoir choix ça marche plutôt bien, je dois l'avouer. Magirev en sweeper classique avec avec les machinations. Marest qui est le BG Marest, hein, vous allez voir pourquoi. Et Leopardus, hein, qui est très bon, hein, avec son talent farceur pour emmerder l'adversaire. Donc on est parti simplement pour ce replay. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le nom n'est pas en comme dans les vidéos des autres youtubeurs que je vois. Le nom est enfin il est pas là, il est pas comme ça. Je trouve ça bizarre, pourquoi moi ça fait ça. C'est bizarre, mais bon, ça vous a pas dérangé à part une personne, mais bon, cette personne là est à cheval, j'ai remarqué sur les sur tout ce qui est graphisme, et on peut le dire une seule chose, c'est que l'autre jour son PC a décédé en direct, voilà, tout simplement, hein. Donc on est parti, et je démarre avec Leopardus, il démarre avec Aeropteryx, il switch direct parce qu'il a compris que j'allais provoquer ce que je fais. Ensuite, j'ai pas trop compris pourquoi il a re-switché pour mettre un Ryama, il aurait pu mettre un Ryama direct, hein. Là je fais sabotage, j'enlève son assaut vest. Tant mieux, hein. Je switch et j'envoie ma rest. Et là il fait lame de rock, ça m'enlève rien du tout. La suite de ça il va switch sur Philali, je l'avais anticipé. Pour ça que je fais toxique direct pour empoisonner le Pokémon. Là je switch parce que bon, lame feuille, j'ai pas envie de me le prendre dans la gueule. Il envoie Articodin. Il a compris que je vais switcher, donc il a fait sabotage pour me retirer mes restes. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Là, il switch, il envoie Ariyama de nouveau. Hein. Là, je fais lyophisation, hein, qui touche les types O. Et là, je renvoie ma reste parce que, voilà, bullet punch 5%, c'est, ça fait rien du tout. Je reviens quasiment full life. Bon, là, il switch, il va renvoyer Philali. Hein. Je tape une petite ébullition, je me suis dit, on sait jamais s'il restait. Hein. Voilà. Bon, là, je me suis dit, je vais pas rester, hein, évidemment. Je switch, bien entendu, sur Articodin de nouveau. Et là, il fait l'âme-feuille cette fois-ci, mais ça m'enlève pas grand-chose. Tout simplement, ça m'enlève que 22%. Et là, à la suite de ça, je me suis dit, il va switcher sur Ariyama. Eh bien, il a switché sur Exagel, malheureusement. Et là, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait Machination, bon, jusque-là, rien de normal. J'ai encore fait Machination, j'avais pas capté qu'il était plus rapide que moi, le Pokémon. Je sais pas ce qui m'a pris, du coup, je me suis de switcher et de ramener Articodin. Là, franchement, je suis pas très fier de mon erreur, mais bon, c'est une erreur d'inattention, en fait, pour être franc avec vous. Là, il refait lyophisation, mais bon, je résiste, hein, du coup, je peux faire atterrissage et revenir mid-life. Et je vais pouvoir revenir full-life avec atterrissage de nouveau. Là, je me suis dit, oula, je vais pas rester, hein, je renvoie ma reste. Il tape un fracas-tête qui miss, de toute façon, ça aurait pas changé grand-chose, j'aurais pas pris cher. Là, il place ses PDR, du coup, je peux faire ébullition. J'obtiens la burn, mais vu son talent d'épitis, ça change rien. Et là, j'ai capté qu'il allait faire encore. Hein. Ils sont beaucoup joués avec encore, hein, les Aeropteryx. Mais du coup, bah, je fais mon petit FDP. Hein. Je fais soin. Puisque de toute façon, il va mourir de la brûlure. Il va encore faire encore. Sauf que, bah, je vais refaire soin, vous l'avez deviné. Et du coup, je reviens à peu près 60, je reviens à 60% de ma vie. Et Aeropteryx est KO. Il envoie Philali, je vais pas rester, hein. Je renvoie Articodin qui va se manger les PDR en pleine gueule. Ça fait mal. Là, il avait compris que j'allais switcher, donc il place dans Slam. Là, j'ai fait une erreur, je me suis dit, je vais pouvoir un peu me soigner, hein. Un petit Roost, au calme. Malheureusement, Roost me fait perdre le type vol. Hey, mais heureusement, avec son bon bulk, Articodin résiste quand même. Là, je me suis dit, je vais le sacrifier, je vais placer anti-brume. C'est chose faite, Articodin est KO.
Donc du coup là il commence un tout petit peu à perdre avec son poison quand même. Ce qui me permet de placer les câbles et de l'OH, enfin de le, pas de l'OHK, mais de le finir avec point glace. Et les câbles joués avec le scarf, je le rappelle. Il envoie qu'en gros que je switch, j'avais anticipé le bluff et puis de toute façon, rester sur point glace n'était pas une bonne idée. Là j'envoie ma reste, du coup là il tape un Damoclès qui fait assez mal, je dois l'avouer. Là je fais soin, je me suis dit pourquoi pas. Là il switch, il envoie Exagel, j'ai tapé ébullition dans l'espoir de burn Kangourex, je pensais pas qu'il allait switch en fait. Bon là je vais pas rester parce que l'iophilisation moi HKO. Donc j'envoie ma Giref à la mort pour avoir un switch gratos sur Junko. Pas sur Junko, sur les câbles, excusez-moi. Il switch, il envoie Motisma. Je fais coupe-croix, malheureusement. Ça ne marche pas, du coup je suis bloqué, j'ai enlevé les câbles. Là il fait tour magique, il me refile le mouchoir choix. Ça me permet de taper un lame-feuille du coup, 68%. Il mange sa Bécitrus, c'est dommage. Là il me burn, c'est assez problématique quand même. Du coup lame-feuille fait plus que 35%. Il fait Balombre, qui m'enlève à moitié, la moitié de ma vie. Là il va switcher sur Ariyama. Lamefeuille n'enlève que 16%. Là je décide de switcher Junko pour le laisser pour avoir un switch gratuit si je le replace plus tard dans le match tout simplement. Là il tape une forte paume qui me paralyse, mais je m'en fous hein, parce que m'a resté l'en base. Si j'ai pas la burn, si j'ai pas la para axe pardon, ça va. Donc là du coup je me suis dit bon bah là il va. Je m'attendais à ce qu'il ait cran en fait, mais en fait non il a isogresse, tant mieux. Je fais soin et je reviens full life. Et voilà, Ariyama meurt de sa brûlure. Il envoie Motisma, je switch, je me suis dit il va faire tour magique. Voilà, je m'en doutais. Donc du coup, Hero switch pour envoyer Kangourex. J'envoie Junko à la mort, un petit crit qui fait plaise. Voilà, et voilà, Junko est KO. Et j'envoie Marès, parce que Marès est le seul à même de rester au coup de Kangourex, on va pas se mentir. Donc voilà, il va taper un bon Damoclès qui va faire mal quand même, 40%, ça fait mal. Mais bon, il s'afflige des dégâts en retour et ça c'est cool. Lâche ébullition, je me suis dit pourvu que ça burn. Il n'est pas burn, j'étais très déçu. Encore Damoclès. Voilà, là je fais soin parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Voilà, je fais soin. Je vais le laisser me taper et puis crever dans... Bah, crever tout simplement dans le contre-coup. Hein. Donc du coup je fais soin, je fais mon enfoiré. Et voilà, là il va crever. Tout simplement. Et je vais refaire soin. Et je vais à nouveau revenir full life parce que ma reste est un FDP. Voilà. Là il envoie Motisma. Je switch sur les câbles. Je me doutais qu'il allait faire ça. Hein, donc du coup, bah. Ça fait scarf contre scarf, ça fait rien du tout. Là il fait Will-O-Wisp, mais je m'en fous complètement parce que je sais que là, le match est presque gagné, hein, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, hein. Là il fait Will-O-Wisp en pensant que j'allais encore switch, mais non. Non, je comptais pas switch. Voilà, je fais point éclair pour le finir. Il envoie Exagel, j'essaie d'envoyer ma reste à la mort, parce que ma reste ne me sert plus à rien. Il fait PC PC sol sans doute. Sans doute PC sol. Hein. Là il fait l'iophisation, ça me tue, hein, comme prévu. Forcément. J'envoie Léopardu, je me suis dit je vais le faire cage éclair, hein, n'oubliez pas qu'il a farceur. Au cas où ça se passerait mal derrière. Là il fait l'iophilisation, j'ai la ceinture force de toute façon, donc j'allais résister. Et là je fais sabotage et salut HKO. Vu qu'Exagel a des défenses en carton et le match est gagné. Voilà. En tout cas, avec 49 tours. Hein. En tout cas j'espère que ce match vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour la suite des matchs Showdown sur la chaîne. Hein, Ça maintenant c'est lancé, hein, le conseil de match Showdown, vous l'avez remarqué, je pense, depuis le temps. Donc évidemment, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement sur la chaîne. Donc voilà. Et je tiens à préciser que cette team était une team que je teste encore, hein, ce n'est pas une team définitive. J'ai conscience qu'elle est loin d'être parfaite. Voilà. Allez, ciao, bye tout le monde, c'était Et les câbles best.